Vous êtes où? From where are you? Je suis nordiste. D'accord. C'est votre quartier pour venir ici. Well, how long have you come here? Ça fait déjà plus de deux mois. Que qui vous a invité? Who invited personne, you? J'ai vu ça à la télé. Vous avez vu à la télé, vous êtes venu. Vous êtes avec qui ici? Je suis avec ma fille. Elle est où, votre fille? Where is your daughter? Et c'est moi. Mettez-vous à côté de maman. Stand. Madame, est-ce qu'on a déjà causé? Madame, vous me conseillez quelque part? Spoken? Non. Est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui, je... Vous n'avez jamais parlé avec moi? On ne s'est jamais croisé? D'accord. Fine. Est-ce que je peux prier avec vous? Can I pray? Regardez. Look. Maman, votre vie, your life, votre vie, le Dieu des cieux, the God of heaven, m'a dit de prier pour vous parce que vous avez beaucoup souffert dans la vie, dans le mariage. Vérité. Beaucoup. Vérité. Vous avez beaucoup souffert dans le mariage. Et il y a quelque chose que je veux redresser dans votre vie. Le mois d'octobre, si c'est votre mois. Amen. Je vous ai vu vous battre avec le commerce. Vous battre. Depuis des années, vous battre avec le commerce. Oui. Mais il y a les choses ne donnent pas comme vous voulez que ça donne. Vérité. Parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. Vérité. À l'époque, vous avez beaucoup marché même pour comprendre pourquoi les choses ne fonctionnaient pas. Oui. J'ai vu quelque chose comme, c'est comme Ada. Hein? Comme Ada ou... Ada. Ada c'est qui? Ada. Ada c'était ma voisine. Ada, c'était votre voisine où? Oui. C'était votre voisine où? À Tongolo. C'était une voisine à Tongolo. Oui. C'était Ada, c'est ça? Oui. Je faisais la cotisation avec elle. Après, on a eu un tiraillement avec elle. Vous avez des problèmes avec elle, avec Ada? Oui. D'accord. Fine. Je vais vous montrer quelque chose. I will show you something. C'était comme une amie à vous. Hmm? She was like a pour placer ça. Pour placer ça. C'était comme une amie à vous, like comme une amie. Je préfère dire ça comme ça. Comme une amie. Oui. Parce que oui. Vous étiez ensemble. Oui. Bon. Maintenant, regardez. Now look. Les problèmes que vous avez eus, je vais juste vous montrer quelque chose. Ce que vous avez eu avec Ada, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est quelque chose d'important. Ça, ça a eu un incident important dans votre vie. Et quelques années avant, je vous ai vu avec une autre amie qu'on appelait Doudou. Hein? Oui, oui. J'ai vu une amie à vous oui. qu'on appelait Doudou. Elle est toujours mon amie jusqu'à maintenant. On l'appelle comment? Doudou. On l'appelle comment? Doudou, elle était même chez moi hier. Elle était hier à la maison. She was yesterday at home. Et j'ai vu quelque chose et je prie que Dieu me donne la sagesse. La sagesse. Parce que Doudou vient souvent avec Awa. Elle a son ami qu'on appelle Awa. Doudou, son ami, sa meilleure amie, c'est Awa. Her best friend is Awa. Regardez. Watch this. Soyez prudente. Be very careful, merci. Watchful. Soyez, j'ai dit quoi? Soyez prudente. Prudente. Watchful. Amen. Soyez prudente. C'est quelqu'un de bien. Je ne dis pas que je l'accuse de rien, mais je vous dis d'être prudente. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre vie venant de votre entourage que vous ne connaissez pas. Il y a des choses dans votre maison qui disparaissent. Et je vous dis que ces choses disparaissent et réapparaissent dans des cases des marabouts. Parce que même comme c'est mauvais sur vous maintenant là, les gens vous convoitent parce que vous êtes quand même quelqu'un de bien. Vous avez votre maison et vos amis viennent à la maison chez vous et elles voient comment vous êtes. Elles sont dépassées. Elles sont dépassées. Que comment elle a fait, elle a quand même sa maison. Parce que l'Esprit de Dieu m'a amené dans sa maison. J'ai trouvé un petit salon dans votre maison. J'ai trouvé un salon. J'ai trouvé, je suis arrivé, j'ai vu une porte avec un rideau sur la porte. Et j'ai poussé, parce qu'il faut pousser le rideau pour entrer. Et j'ai vu un tapis au sol. Et j'ai vu au mur, il y a comme une petite armoire sur le mur. Avec un petit téléviseur. Et j'ai... Et l'Esprit de Dieu m'a amené et j'ai vu votre maison et c'est une petite maison, c'est un petit studio avec un petit salon, mais bien ordonné, les choses sont en ordre. Ça fait que quand vos camarades, vos amis, quand vos amis arrivent chez vous, elles voient quand même le peu que Dieu vous a donné là. Beaucoup ne sont pas content. Happy.
Amen. Est-ce que vous comprenez? Soyez prudente. Very careful. Soyez prudente. Le mois d'octobre, le Seigneur va vous surprendre. Amen. Hein? Amen. J'ai vu un problème avec le mariage. I saw something with marriage. C'est quoi? J'ai beaucoup de problèmes avec le mariage. J'ai épousé mon mari quand j'avais 15 ans. Oui. Où papa ne voulait pas. Je fréquentais ici au collège Adventiste. Quand papa ne voulait pas, j'ai insisté. Et après, on a beaucoup de problèmes, beaucoup. Mais j'ai fait mes enfants avec lui seul, avec un seul homme. Après, on a eu des problèmes. J'ai commencé à jurer même que je ne peux plus sortir avec eux. Mais je veux rester pour les enfants. Depuis ce temps-là, nous sommes là pour les enfants. Je suis avec lui, même mes hommes, mais je suis pour les enfants. D'accord. Oui. Parfait. Fine. Perfect. Maintenant, vous voyez. Now you see. Ça veut dire que le mariage est mort, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Madame. Madame. Qu'est-ce que vous voulez? What do you want? Je veux le mariage. Avec qui? With who? Même si c'est avec un autre homme, ou bien avec lui-même. Et que ça doit être un bon mariage et que le père doit aussi être d'accord maintenant. Maintenant, je pose une question. Now I ask a question. Est-ce qu'on peut arranger son mariage? Can we fix Amen. Marriage? Est-ce qu'on peut arranger son mariage? Can we arrange Amen. A marriage? Madame, Madame, je demande, est-ce que vous I'm voulez... Asking. Que j'arrange votre mariage. Oui, papa. Vous êtes prête? S'il change, if he changes, s'il change, if he changes, est-ce que vous allez être heureuse? Be happy? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Vous êtes sincère? Are you oui, papa. Je peux prier pour ça? Can I oui, pray papa. For that? Bien. Fine. Si je vous dis quelque chose, est-ce que vous allez vous fâcher? Est-ce que vous allez aller faire la guerre? Non, papa. Je ne sais pas si je dois tout dire. Votre mari doit être délivré des mauvais amis. Il a un ami qu'on appelle Baba. Hein? Il a un ami qu'on appelle Baba. Baba. Baba Ali. Baba Ali. C'est un mauvais ami. C'est quelqu'un qui lui donne de très mauvais conseils vous concernant. Et quelle mauvaise influence sur votre mari. Vous comprenez? Oui. Nous allons prier que Dieu vous épargne. Je veux prier que Dieu garde la relation. Et alors je parle, il y a une autre femme que je suis en train de voir, qu'il est en train de courtiser, qu'on est en train de lui proposer. Il y a une co-épouse. Vous savez ça? Ou c'est moi qui vous informe? Non, je savais qu'il sortait avec les femmes quand même. D'accord. Fine. Je veux garder sa relation avec toutes vos co-épouses dehors. Amen. Est-ce que vous Amen. Êtes prête, madame? Are you ready, madame? Votre mari, c'est quelqu'un de bien. Hein? C'est quelqu'un de bien, réellement. C'est quelqu'un de bien. Juste, ce qui vous arrive là, c'est les pratiques. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sain. C'est des gens qui ont mis la bouche et la malédiction dans votre foyer. C'est madame, regardez, madame. Watch this. Look, madame. J'ai vu une fille qu'on appelait Aminatou. Hein? Une dame, jeune dame, qu'on appelle Aminatou, qui venait comme une amie à vous. Et qui causait avec vous. Oh non. Ah non, voici. Oh, oh. La fille ici était là pour votre mari. Elle avait les yeux sur votre mari. Elle s'approchait de vous, pas simplement. Elle avait des choses dans son cœur. Et c'est pas la seule parmi vos amis. Dieu m'a montré des amis à vous qui calculaient votre mari. D'autres qui étaient jalouses de votre place. Maintenant, regardez. Maintenant, je prie pour vous. Comme je prie. Dieu ramène votre mari à vous. Amen. Les gens vont, les femmes vont le chasser dehors. Amen. Il va se gâter avec tous ses mauvais conseillers. Amen. Et attendez, je prie que ce soir, quand il va rentrer à la maison,
Parce que à la maison, j'ai vu à la maison, et je l'ai vu rentrer ici, là, il y a les babouches qui laissent toujours à l'entrée de la porte. Et l'autre babouche dans la chambre, quand il veut, à côté du lit. Aujourd'hui, il va revenir vers vous. Aujourd'hui, je ne dis pas demain. Aujourd'hui, Zamao, je vous attends ici dimanche prochain. Aujourd'hui, il va venir et il va vous parler comme un roi parle à sa reine. Amen. Père, je prophétise la restauration de ce mariage au nom souverain de Jésus. La restauration de cette famille dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.